Tout commence par une lecture attentive de l'énoncé, primordial pour la compréhension du problème. Paradoxalement, le problème de calcul est avant tout un exercice de français. Chaque résolution de problème est l'occasion de mener un raisonnement. La question essentielle, quelles opérations vais-je devoir faire pour trouver la réponse? Faire un problème de calcul est une étape importante de la maîtrise des opérations. Pour bien réaliser un problème de calcul, il faut respecter une présentation qui permettra à l'enseignant ou aux parents de suivre le raisonnement et de repérer l'erreur éventuelle. À gauche, l'élève écrit son raisonnement étape par étape. À droite, il détaille les opérations effectuées en colonnes. Chaque opération est introduite par une phrase qui annonce ce que l'on cherche. Le résultat trouvé doit toujours être exprimé dans une phrase qui répond à la question initiale. Et oui, réussir un problème est surtout une question de méthode.